Salut à tous, c'est Metal Dream. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo commentée sur Death Stranding, donc la version PS4, mais j'y joue sur PS5. Ce n'est pas la version Director's Cut, je l'attends. Elle sort le 24 septembre, mais en attendant, j'ai décidé d'essayer de faire le trophée platine. Du coup, il me reste qu'un trophée à avoir et normalement il est assez rapide à avoir. Du coup, je vais essayer de le tenter avec vous et ainsi ça sera une vidéo pour fêter un petit peu ce trophée platine. Alors là, vous voyez, là je suis à proximité d'un camp de mules. En fait, je suis en plein dans leur territoire. Donc là, il y en a un qui est ici. Donc là, je peux choisir de prendre une arme. On va essayer. Oui, on va. Voilà. Comme ça, il y a sommé. Par contre, je sais pas où ils sont, ses collègues. J'ai peur qu'ils viennent jusqu'ici. Oui, ça les a prévenus. Du coup, là, on va vite se barrer. Donc, commencer la vidéo sur une attaque de mule, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire, mais bon. Oh, vous voyez, là, je me suis fait avoir. Donc, le but, là, une moto, ça tombe bien. Je vais aller jusqu'à la ferme des précipitations. Une fois que j'y serai, une fois que je vais rentrer dans la zone de. Voilà, de la ferme. Hop. Du coup, je les aurais plus sur le dos. Oh là. Alors que je m'applique un petit peu sur la conduite. Alors, je vous explique. Donc là, nous sommes. Oui, d'accord, je suis bloqué. Nous sommes à la ferme des précipitations. Et en fait, ici, nous sommes pas loin du camp de. Du porteur chevronné. Alors, je vais vous mettre la carte. Le porteur chevronné, en fait, c'est lui, c'est ici. Et vous voyez, il y a un système d'étoiles. Donc, à côté de son visage, vous voyez des étoiles. Alors, j'en ai pas 5. En fait, j'en ai 4. On va dire, allez, j'ai 90% pour avoir les 100%, les 5 étoiles. Il me manque pas grand-chose. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est aller là-bas, voir s'il a une mission à me proposer. Pour lui, faire la mission, et une fois que j'aurai sa cinquième étoile à lui, j'aurai donc mon trophée, le trophée qui est d'avoir les 5 étoiles pour chaque client. Excusez-moi, j'ai oublié le terme des personnes, mais en fait, c'est les survivants, c'est ceux qui vivent dans les camps, ils vivent dans des bunkers, et en fait, une fois que j'aurai ça. Le trophée platine se débloquera. Donc là, le but, ça va être d'aller là-bas. Donc, hop, on est parti. Donc, avec la carte, on peut mettre un point qui part de Sam Porter, qui est le protagoniste de l'histoire. On va le mettre jusqu'au porteur chevronné. Comme ça, j'ai exactement la direction et l'emplacement où il est. Donc, mais par contre, les mules, j'espère que. Ouais, c'est bon. Normalement, elles vont pas m'embêter. Alors, vous voyez, il y a même une caisse. Vrai, je pourrais très bien prendre la caisse là qui est perdue. D'ailleurs, on va la prendre, mais je vais pas lui donner tout de suite. Donc, ça, c'est des caisses abandonnées qui permettent de gagner des likes, parce qu'en fait il y a un système de likes, un peu comme un réseau social. D'ailleurs, le jeu est très social. Là, les constructions que vous voyez là tout autour, comme le pont au bout, là ce que vous voyez, c'est de l'alimentation en fait, c'est une tour d'alimentation, c'est ce qui va vous permettre de recharger les batteries. Vous voyez, j'ai un squelette là, au niveau des jambes, qui me permet de courir, de faire des sauts plus grands, tout ça. Voilà.
Donc là, et ça en fait, par exemple, cette tour-là, c'est pas moi qui l'ai construit, c'est quelqu'un d'autre. Donc on peut très bien envoyer des likes. Voilà, donc là je suis en train d'en envoyer, vous voyez. Et après on peut même, s'il y a des choses à faire, la réparer par exemple, ou l'améliorer, sauf que là, bon, elle est améliorée, elle est au troisième niveau, du coup il n'y en a pas besoin. Oh! Oh, ça y est, oh mince, j'avais pas pensé à ça. J'ai les mules qui sont derrière moi. Ça, c'est un. Comment dire? C'est une tour de guet, voilà. Ça nous permet de voir aux alentours et puis de mieux repérer. D'ailleurs, je me demande si c'est pas moi. Oui, voilà, ça c'est moi, vous voyez. Donc elle est au niveau 3, pareil, je l'ai augmenté. Ça permet de s'abriter des précipitations et en même temps il y a une vaporisation qui s'échappe et qui restaure les containers qui contiennent les livraisons. Ça c'est un pont. Alors, donc ça c'est normal, c'est un truc de commande. Et là-bas ce que vous voyez c'est une chambre privée en fait qui nous permet de pouvoir comment dire se reposer et ainsi avoir refaire le plein d'énergie le plein de boissons parce que vous avez besoin de boire dans le jeu. Par exemple là si j'ai envie de boire hop je sélectionne et il va boire de la Monster Energy, un gros placement de produits. Alors il y a des véhicules mais je vais pas les prendre, on va faire ça à pied. Je trouve que ça sera plus sympa. Tiens d'ailleurs lui le camion n'aime pas trop la pente visiblement. Donc là nous allons ça c'est des porteurs, donc ça c'est des PNJ, c'est des porteurs, vous pouvez interagir avec eux, leur donner des likes également, leur donner du matériel, et eux parfois vous en donnent aussi. Donc là vous allez voir, on va aller les voir. Donc là on va donner donne des likes, vous voyez, et eux du coup vont me donner des likes. Et là si je vais dans mon inventaire, qu'est-ce que je pourrais leur donner? Ils auraient peut-être besoin. Tiens allez, je leur donne par exemple mon fusil d'assaut non létal. Donc là je le dépose, hop je recule un peu pour bien montrer, et du coup ah bah il veut me donner quelque chose, merci. Donc il m'a donné quelque chose et lui il prend quelque chose. Donc ça c'est un échange. Enfin, d'ailleurs vous avez un succès avec ça. En faisant ça vous donne un succès. Bon, je l'ai fait sans savoir qu'il y avait un succès à avoir, mais tout du moins ça vous apporte un succès. Si ça peut vous aider de ce côté-là. Donc voilà, je suis arrivé au porteur chevronné. Les véhicules pareil, hein, c'est des véhicules... Que les gens ont construit et puis du coup il reste là en fait. Ça peut vous aider des fois, vous avez besoin d'un véhicule, hop ça vous le donne. Donc voilà, donc là faire la livraison non je vais pas la faire, par contre je vais voir s'il a des commandes à faire. Voilà, donc là vous voyez ça c'est une commande pour lui, il faut aller chercher quelque chose et le lui rapporter. Visiblement je l'ai déjà fait, enfin j'ai déjà fait j'ai déjà fait cette mission. Mais c'est pas grave, on va la faire. Donc on va sélectionner la premium. On va essayer d'avoir un truc intéressant. Donc là j'ai sélectionné la commande. Là c'est en cas où j'ai envie d'avoir des équipements, mais sincèrement j'en ai pas besoin. Donc là je vais partir comme je suis. Plutôt bien équipé. Et là maintenant vous voyez, donc là il y a un icône, enfin vous voyez l'icône avec un rond en pointillé et un triangle, en fait c'est l'endroit où je dois aller. Donc là je peux parfaitement mettre un marqueur et du coup ça va me donner la position. Donc là par exemple vous voyez là ils ont créé un pont. Ça m'arrive souvent, j'ai tendance à aller un peu trop vite et du coup bon c'est pas grave. Justement, tiens, ça me donne l'occasion de vous parler du bébé, donc il l'appelle Lou, mais ça vous verrez ça plus tard. Donc là, vous voyez qu'il est en stress, du coup, faut l'apaiser. Et en fait, il faut secouer doucement la manette pour pouvoir le calmer.
Et à un moment donné, il va se calmer, il va s'apaiser, et vous allez voir, il va faire des jolies mimiques. Voilà. Un grand sourire, donc des cœurs, et voilà. Donc là, il est content. D'ailleurs, il le dit. Sam Porter, donc, qui est Norman Reedus, l'acteur qui joue dans la série The Walking Dead. Alors, je le connais surtout de cette série, donc je pourrais pas vous dire exactement dans quoi d'autre je l'ai vu, mais je pense que beaucoup de personnes le connaissent pour cette série. Et donc il a prêté son visage au personnage. Bon, par contre, du coup, faut que j'aille où là? Où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai perdu le repère. Hop, c'est ici. Hop, hop, là, hop. Pardon, je sais pas. Donc on va essayer de descendre. Je pense que c'est en contrebas, donc on va descendre par là. Donc c'est à juste titre, ça a été considéré comme un jeu de livraison, ce qui est complètement faux en fait. Et c'est un jeu avec une histoire assez profonde et un message justement, un message de fraternité. Enfin, c'est beaucoup de sur l'union, sur tout ça. Donc en ces temps de Covid, on va dire, on va dire que le message est plutôt bon, mais c'est pas vraiment un jeu de livraison. Par contre, c'est vrai que le but, c'est de faire des livraisons, et voilà. Mais si vous êtes pris dans le jeu, c'est un jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On peut pas. Il n'y a pas de juste milieu, je pense. C'est en contrebas, mais alors dis donc. Je dois remonter tout ça à pied. Voilà, donc là vous voyez, elles sont là. Elles sont ici. Elles sont pile poil ici en fait. Donc j'ai 4 conteneurs à récupérer. Donc là on va aller les chercher. Et le but c'est d'en prendre le plus grand soin, c'est d'être. De les livrer dans le meilleur état possible. Oui, alors l'eau, pareil, ça stresse le bébé. Parce qu'en fait, la pluie, comme j'expliquais, érode les. En fait, ça fait. Si on n'est pas protégé de la pluie, on vieillit. Donc la pluie, en fait, a un effet de vieillissement. Et donc. Et puis, en fait, le bébé n'aime pas être immergé. Pardon, excusez-moi, j'essaie aussi de me concentrer parce que on tombe très vite dans ce jeu-là et si on tombe, les marchandises vont être détériorées. Du coup, j'aurai pas assez de points et j'aimerais bien quand même avoir mon petit trophée platine. Ça fera plaisir. Je pense que c'est bon. On va sortir de là quand même. Voilà. Et du coup, maintenant, bah, il faut que je retourne voir justement le porteur chevronné afin de lui donner la livraison et avoir, je l'espère, mon trophée. Donc oui, le bébé, à quoi il sert? Parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a un bébé? En fait, il y a eu une catastrophe qui s'appelle le Death Stranding. Et en fait, le Death Stranding a ouvert une sorte de brèche. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, tout du moins. Je vais essayer de vous l'expliquer à ma manière. Une sorte de brèche entre le monde des morts et le monde des vivants. Et du coup, l'âme des morts, on va dire, rôde, en fait, viennent errer plutôt dans le monde des vivants. Et le but du bébé, c'est de pouvoir les voir. En fait, le bébé a un lien entre le monde, avec le monde des morts plutôt, et le monde des vivants. Et du coup, bah,
après c'est plutôt pas mal. Enfin, ça lui permet de, justement de les voir, de ressentir. Bref, là je pense pas qu'on va en voir. Hein, de... Alors ça s'appelle des échoués. Mais je pense pas qu'on va les voir. Donc là on n'est plus très loin, je pense. On n'est plus très loin, très loin, très loin. Et mais le jeu est vraiment très bon, donc l'histoire est très bonne. Et puis bon bah on va essayer de pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Et comme je disais, bah c'est un jeu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a pas de juste milieu, c'est... Faut adhérer au fait que bah, vous allez marcher, vous allez en chier, parce que les 10-15 premières heures sont vraiment très dures. Et faut s'accrocher. D'ailleurs, comme le disait le panneau, là. Voilà, donc... Mais essayez-le, c'est un jeu à essayer au moins, tout du moins. Et avec la Director's Cut qui va tirer profit de la PS5 et puis qu'il va y avoir également du contenu supplémentaire, ça va, je pense que ça va donner quelque chose de très intéressant. Du coup, on va faire la livraison et là, normalement, je devrais être bon. Enfin, on va voir. Je livre les paquets. Alors d'habitude je passe, mais là pour la vidéo on va dire je vais laisser. Salut Sam. Il n'y a pas beaucoup de porteurs qui puissent prendre un chargement de cette taille. C'est peut-être cet équipement fourni par Bridges qui fait la différence. Oh, c'est surtout qu'on est très bon. Et donc là c'est l'évaluation. Et c'est là où on va savoir exactement combien de likes on a, et les likes font monter justement le... au niveau des étoiles. Donc là vous voyez, là j'ai respecté les termes pour la commande premium. On va voir si je vais avoir le score que j'avais eu, où en bas à gauche vous voyez meilleur score, c'était S Legend of Legends. Alors bah voilà, donc je l'ai récupéré quand même. Et voilà, j'ai ma cinquième étoile. Donc on va passer assez rapidement sur les autres. Donc du coup ça offre du réseau chiral. Voilà, ça y est, donc j'ai mon trophée connexion illimitée. Et mon trophée platine. Et voilà, ça y est. Le trophée platine est ici. Donc j'ai mon trophée platine pour... Death Stranding, donc ça on va les passer parce que ça sert pas à grand chose. Et voilà, donc ça c'est l'évaluation, c'est les likes attribués aux différentes catégories. Donc il y a 5 catégories. Le pont de connexion, ça c'est c'est les connexions que vous avez avec les autres joueurs. L'état de la marchandise, donc il faut en prendre soin. Divers, ça peut être comme là j'ai fait en fait, d'aller chercher des commandes pour d'autres personnes, enfin pour des clients, et les ramener, leur ramener, ou des choses comme ça. Il y a le volume de livraison, alors là c'est la quantité, si vous arrivez à transporter plus de marchandises. Et il y a le délai de livraison, donc là c'est d'aller le plus vite possible tout en gardant quand même malgré tout le, comment dire, la qualité hein, sur l'état, sur tout ça. Donc il faut quand même faire attention à tout. Et donc là vous avez exactement... mes statistiques, donc un temps de jeu total de 150 heures et 58 minutes, ce qui est quand même pas trop mal, donc quasiment 151 heures, voilà. Après le reste, je vous laisserai lire si vous avez envie, de toute façon vous avez eu le temps je pense. Et donc j'ai eu mon trophée platine. J'ai quelque chose pour vous. Voilà, donc là je vais avoir mon étoile. Ça vous servira tôt ou tard. En fait, à chaque fois qu'on a les 5 étoiles, on nous donne une petite étoile à mettre sur la combinaison. Et voilà. Et donc là, j'ai toutes les étoiles. Merci encore. Et j'ai donc fini le jeu à 100%. Et ça, ça fait plaisir, parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et auquel je joue avec grand plaisir.
Donc voilà, ça y est, j'ai mon trophée platine et je suis vraiment très content. Je peux pas dire autre chose, je suis vraiment très content. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous regarderez les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on va se laisser sur ces belles images de Sam Bridges, donc, qui est en train de se reposer. Donc, Sam Bridges, interprété par Norman Reedus. Voilà, en attendant la Director's Cut. Allez, à bientôt!